L'invitée du jour. Bonjour Anne-Cécile Meifer. Bonjour. Vous êtes militante féministe, vous êtes présidente de la Fondation des femmes. Et je voudrais qu'on revienne ce matin sur l'affaire Mohamed Awas, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui marche et qui aille dans cette histoire. Je voudrais d'abord qu'on écoute cette déclaration. C'est la femme du rugbyman. Euh, elle s'exprimait alors que le jugement venait de tomber, qu'elle avait compris que son homme allait sortir de prison. Elle l'attend. Elle est devant la prison. Elle attend sa sortie. Écoutez. Eh ben, la pression est retombée. Gros soulagement. Euh... Donc voilà, tout va bien. Tout va bien. Euh, mon esprit euh, est aéré. Donc euh, voilà, tout va bien. Tout va bien. Gros soulagement. Cette femme qu'on entend, mmh. trois jours avant, elle était au sol. Son mari l'avait pulvérisé au sol, l'avait frappé, l'avait ensuite fait monter de force dans une voiture. Je voudrais citer le témoignage des témoins qui ont vu la scène. J'ai vu que cet homme vraiment costaud tenait la femme par les poignets, il la maintenait de force, elle tremblait, elle pleurait, elle transpirait. Quand elle a pu se dégager un peu, que j'ai enfin pu croiser son regard, j'ai compris qu'elle était en panique. Voilà le témoignage d'une des femmes qui a vu la scène. C'est nos confrères de la dépêche qui racontent cela. Cette femme, elle dit son soulagement. Qu'est-ce qui se passe qu est que, comment est-ce que vous vous réagissez Anne Cécile Mayfer vous qui êtes militante féministe quand vous entendez ça Alors déjà, il faut quand même comprendre les circonstances dans lesquelles là elle est en train de s'exprimer. Euh, il fait 1m85, 125 kg, il rentre à la maison. Vous pensez qu'elle va honnêtement, vous pensez qu'elle va dire quoi à ce moment-là précisément Qu'elle va dire j'aurais préféré qu'elle aille en prison Est-ce qu'elle a vraiment le choix de dire autre chose mais quand bien même Quand bien même, en fait, elle est peut-être à ce moment-là encore dans ce qu'on appelle l'emprise. Donc, l'emprise, c'est un, un mécanisme qui est euh, extrêmement lié aux violences physiques. Puisque l'emprise, en fait, c'est à la fois euh, un homme violent qui va être à la fois extrêmement, euh, parfois euh, très gentil, très doux, remplir de cadeaux, de fleurs, être le plus romantique de tous, et en même temps être extrêmement euh, diminuer la personne, lui dire tu n'es rien sans moi, tu ne survivras jamais sans toi, ce qui fait une sorte de dépendance en fait, et c'est très difficile de s'en sortir justement parce que il convainc, euh, c'est probablement le cas, il va la convaincre qu'elle n'est rien sans lui, et donc en fait elle, elle ne pense pas que c'est possible. Mais même s'il y a cette emprise là. Même si à cette emprise-là, quand un homme frappe une femme, en réalité, il frappe la société, d'accord Là, il contrevient aux lois de la République française. Donc, même si la dame, à ce moment-là, elle pense que c'est mieux s'il rentre à la maison, elle pense qu'elle ne peut pas survivre sans lui. La société, elle se doit de réagir. et Or, ce la que société, fait... là, c'est justement une des questions. Il y, a, il y a mille questions qui se posent, mais euh, la procureure euh, de la République, lors du procès, mm. euh, a dit a dit, J'ai vu une femme qui avait peur, j'ai vu une femme qui a refusé de voir un médecin, qui a refusé de porter, de porter plainte, mais qui a aussi témoigné le jour même lorsqu'elle a été interrogée par la police en disant Je n'ai pas crié trop fort parce que j'avais peur qu'il tape encore plus fort. Mm. Et malgré le fait que la procureur disent qu'il faut peut-être la protéger d'elle-même, euh, le tribunal a décidé que le soir même, il rentrait chez lui avec madame et avec les enfants. En fait, je suis atterrée comme vous, mais je ne suis pas surprise. En fait, moi, des décisions comme ça, j'en vois passer tous les jours. Je vois dix, j'en vois cent, j'en vois mille. Euh, et d'ailleurs, ce qui me fait penser que ce n'est pas le problème de ce juge-là en particulier, on a un problème avec le système judiciaire, avec la manière dont on traite ces affaires-là. Encore trop souvent, j'entends euh, c'est un mari violent, mais c'est un bon papa. Non. Un mari violent ne peut pas être un bon père. Là, en l'occurrence, il a des enfants, il rentre chez lui, il a des enfants. Qu'est-ce qui va se passer pour eux Qu'est-ce qui va se passer pour elle On entend encore trop souvent, c'est une affaire privée qui règle ça entre eux. Mais c'est à nous de. La, la société, elle doit la protection aussi à ses citoyens et en particulier à ses citoyennes victimes de violences. On entend encore, encore trop souvent, dans les affaires de viol, par exemple, elle avait mis une jupe. Tout ça, c'est des choses qu'on entend euh, encore extrêmement régulièrement et qui font qu'on est dans un système qui ne va pas bien, qui ne fonctionne pas. Et, et, et moi, j'en appelle d'ailleurs, du coup, euh, au-delà de, de, de ce juge-là, au système, et en premier responsable de ce système judiciaire, évidemment, avec Dupont-Moretti et Emmanuel Macron. Euh, Anne-Cécile Maïfer euh, quand on remonte un peu euh, toute cette histoire, euh, il y a aussi la manière dont se justifie euh, Mohamed Awas. Lors oh. du procès, euh, il donne quasiment comme circonstance atténuante le fait que, oui, mais bon, elle voulait travailler. Au fond, la scène, elle a lieu à la sortie de son travail. Euh, il vient la chercher et il la trouve visiblement en train de fumer une cigarette avec ses copines. Oui, mais elle m'a menti, elle avait dit qu'elle ne fumait pas. Et puis plus globalement, elle avait des vérités de travail et de vie sociale. Ça ne faisait qu'un mois que cette femme travaillait. Jusqu'alors, elle s'occupait des enfants. Il n'a pas supporté. Et c'est le mot de son avocat, le mot de l'avocat qui dit, mon client n'a pas supporté. Quel travail C'est aussi ça la question de l'indépendance. On peut en France, aujourd'hui, en 2023, avoir des hommes qui disent Oui, mais ma femme n'a pas travaillé ». C'est des hommes qui ne supportent pas de voir leur femme libre. Et euh, c'est d'ailleurs ce qui amène au féminicide. Le féminicide, c'est un crime de possession. Et la plupart du temps, le féminicide, c'est au moment où Madame quitte Monsieur parce qu'en fait, il ne supporte pas qu'elle soit libre. Elle ne supporte pas qu'elle vive sans lui. Et donc, vous avez raison, c'est pour moi une circonstance aggravante parce que pour moi, ça, ça qualifie bien que ça n'est pas un conflit, mais c'est bien une violence parce qu'il peut y avoir des conflits dans les couples. Mais la violence, c'est quoi La violence, c'est ça, c'est justement aller bien au-delà d'un de, échange de verbal un peu houleux, c'est quand une personne est en situation de domination, il va contrôler sa vie, est-ce qu'elle a le droit de fumer ou pas Comment elle a le droit de s'habiller Est-ce qu'elle a le droit de travailler À quelle heure elle rentre Comment elle, Avec qui, qui elle fréquente, etc. Et là, on voit vraiment qu'au contraire, on est sur une personnalité extrêmement dangereuse, une situation extrêmement dangereuse, et c'est pour ça que c'est proprement hallucinant que le juge n'ait pas utilisé les autres outils qu'il a en sa possession, comme par exemple une mesure d'éloignement. On aurait très bien pu avoir une mesure d'éloignement. Pourquoi il ramène monsieur Pourquoi il lui dit « rentrez chez vous ». C'est bien cette conception euh, je dirais même absolument dingue en 2023, après toute la sensibilisation qu'on a essayé de faire, que qu'en 2023, on a soin encore là d'avoir des juges qui disent Réglez ça entre vous. Et NCCC, De MFR, on, on cela se dit aussi, comme vous dites en 2023, il y a eu toutes ces polémiques sur le fait que le gouvernement distribue des flyers et tout le monde disait, mais mmh. des pauvres flyers pour dire qu'il fallait porter plainte. Et en même temps, on se dit, il y a encore des femmes qui ne portent pas plainte alors que euh, la violence est publique. Qu'est-ce que ça doit être quand cette violence, elle est dans, euh, derrière les portes fermées d'un foyer bah, Et d'ailleurs, euh, n'oublions pas que le lieu le plus dangereux pour les femmes... Le lieu où elles sont assassinées en France, c'est chez elles. Et l'homme le plus dangereux pour une femme, c'est son mari, c'est son conjoint. Ça, on n'a on a pas envie de se le dire. Mais c'est la réalité aujourd'hui en France. 140 femmes assassinées par entre 120 et 140 femmes assassinées par an, c'est par leur conjoint, c'est pas par un inconnu, c'est pas dans la rue. Et alors, sur le système judiciaire, si je peux juste me permettre de rajouter ça, pour moi, c'est une honte ce qu'on est en train de vivre en ce moment en France, c'est une honte absolue. Il faut voir que là, euh, encore hier ou avant-hier, euh, la Cour européenne de, des droits de l'homme, ça fait euh, en quatre mois là, a, condamné, a épinglé quatre fois la France pour ses décisions judiciaires euh, iniques. La, la France ne sait pas juger les cas de violences sexuelles. Euh, autre chose, un autre exemple de, pour vous montrer à quel point le système en ce moment est absolument honteux en France. Le tribunal de Bobigny, le procureur, a fait un message d'alerte la semaine dernière dans Le Parisien parce qu'il euh, a 800% d'affaires enregistrées en plus dans son tribunal. Il est incapable, 800% depuis 2017, est, il est incapable de juger 800% d'affaires en plus. Comment voulez-vous qu'il fasse Il n'a pas 800% de juges en plus là en ce moment. On a un, un, un ministre de la Justice qui fait des états généraux de la Justice, qui ne parle pas une seule fois des violences conjugales, qui fait 50 mesures pour refonder la justice, qui ne prononce pas une seule fois le mot femme. Mais on est où on est où ils, ils sont là Ils sont en France Ils se rendent compte de ce qui se passe Les femmes, elles parlent, elles vont pas arrêter de parler. Il faut qu'elles continuent à parler. Mais il faut que la justice en fasse. Elle les protège Et, et elle les protège, y compris d'elle-même quand il le faut. Anne-Cécile Maïfer, merci d'être venue dans ce studio. Euh, je le disais, vous êtes militante féministe, vous êtes présidente de la Fondation des femmes. Et je rappelle que le parquet de Montpellier a dit qu'il ne ferait pas appel. L'homme est donc rentré euh, chez lui.